Bienvenue dans cette guidance pour le sacré masculin, pour moi, ou polarité yang. Donc, je vais dire il, côté masculin, mais cette guidance peut être aussi pour une femme. Allez, allons-y, c'est parti. Donc, toujours avec le grand jeu, Mademoiselle Lenormand, j'ai deux jeux différents. J'ai un jeu que je prends pour le masculin. Et un jeu que je prends pour le féminin. Voilà. Comme ça, je reste dans ces énergies-là avec mes jeux. Hop. Allez, le voilà, notre sacré masculin. Pareil, je fais un tirage à 4 cartes. Si tu t'intéresses à ce jeu, si tu as envie de l'apprendre de manière... peut-être simple, c'est vrai que c'est, il est pas évident, hein, il est incroyablement complexe mais aussi incroyablement juste et empli de vérité. Et ben voilà, j'en ai une. Tac, super. Voilà, c'est un peu comme le féminin là. On a la même carte au même endroit que pour la guidance du sacré féminin que je viens de faire et que je t'invite à aller voir. Et voilà, j'ai fait une formation. Ah ben, c'est fou ça. On a les mêmes cartes. Au même endroit, enfin deux cartes, c'est-à-dire ici, dans ce qui représente l'intention, les pensées, la moralité, le bon sens ici de la personne qui consulte, hein, à droite ici. Et puis là à gauche, on a les désirs, les aspirations, les habitudes ici. Et on va voir le futur là et le passé ici. Et là, c'est la carte. Ici, en conclusion, et donc ces deux cartes-là sont placées au même endroit et on avait la même chose pour le sacré féminin. Voilà, ce qui est assez incroyable d'ailleurs, je trouve. Bref, celle-ci, elle a vraiment sauté, c'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça me parle aussi d'un équilibre entre les deux polarités, hein, entre la polarité féminine et la polarité masculine. Si j'ai ça, on voit qu'il y a eu le même travail de fait à droite et à gauche. À droite et à gauche, pardon, chez le sacré féminin et chez le sacré masculin. Et c'est assez drôle que j'emploie ça d'ailleurs. Et pour arriver au même résultat, pour moi, il y a une notion de j'entends le terme fusion, j'allais dire rencontre. Les deux se rencontrent en fait, hein. Les deux j'ai la notion de s'emboîter, excusez-moi, c'est vraiment le terme que j'entends. Sont complémentaires, hein. Je vais le dire comme ça, parce que si je dis tous les mots qui me sont balancés là en claire audience, il y a vraiment cette notion là. Pour moi, la fusion, c'est ça en fait, c'est que il y a eu un travail de fait, on le voit ici avec les difficultés, les obstacles à dépasser, et que avec cette persévérance et cette patience, parce que c'est ça aussi la carte du 9 de trèfle, hein, c'est aussi il y a une notion de patience, de persévérance, eh bien les deux là, on voit que d'ailleurs le sacré masculin a dû là au centre a dû aller voir son intériorité, hein, il est venu à l'intérieur de lui et comment dire, il a été en fait, il a rencontré l'inconnu, c'est pour ça que ça me perturbe un peu, il a rencontré l'inconnu, pas seulement à l'extérieur mais aussi et surtout à l'intérieur, et là il a reçu des informations de l'intérieur. Voilà, importante pour lui, pour la suite de son cheminement. D'ailleurs, c'est une information très importante qui est donnée. Je crois que c'est Minerve. Minerve, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'île de Rhodes va être envahie par des serpents. Donc, c'est une information très importante qui lui est donnée. Et on voit que, elle est assise, elle est posée. Elle peut sembler un peu vulnérable parce qu'on voit qu'elle a, elle est un peu détendue parce qu'on voit qu'elle a remonté un peu sa jupe au-dessus du genou, mais elle reste encore quand même sur ses gardes parce qu'elle a toujours sa lance et son casque, hein, quand même, hein. Donc elle sait que quelque chose peut arriver, elle a son bouclier qui est là aussi, qui est pas loin. Donc pour moi, sacré masculin, a été et descendu en lui, dans son intériorité, mais il est resté quand même vigilant.
malgré tout. Il a gardé cette notion de cette vigilance. Le roi de carreau, c'est aussi, ce n'est pas uniquement l'inconnu ou l'étranger, c'est aussi également l'expertise. Hein, c'est-à-dire, de par l'expérience qui a été ici, notre sacré masculin, il a atteint une certaine expertise. Hein. Je vois que je ne suis pas très, très centrée. Voilà. Et on voit bien qu'il réussit, puisque nous avons la carte de la réussite, As de trèfle, voilà, il a la victoire sur les... D'abord, ici, on lui donne le courage, l'énergie, mais il est victorieux. Là, il est victorieux ici, enfin, c'est surtout le courage et l'énergie. Là, il a la victoire sur la toison d'or, hein, dans le combat pour la toison d'or. Et non, il est protégé aussi, hein, parce qu'il y a un baume magique sur le bouclier qui a été. Ce baume a été donné par l'amoureuse de Jason, Médée. Il enduit son bouclier, ça l'a protégé. En fait, l'amour a protégé. Donc, l'amour a protégé aussi le sacré masculin. On a vu que c'était le cas aussi pour sacré féminin. Je t'invite à aller voir la guidance. Et il y a la force du soleil, la protection, il y a la lumière aussi. Il y a cette notion d'aller mettre de la lumière en descendant en soi, en allant voir ses ombres, son côté vulnérable aussi. Et ça permet un équilibre. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a un potentiel, ça lui a permis aussi là d'aller voir son potentiel. Il va l'utiliser son potentiel, là le désir aussi. Il a le désir aussi de réussir, mais d'être qui il est. On voit que là, il prend conscience de ses capacités avec notre grand singe, avec notre petit sujet qui nous parle d'un homme qui est brillant, d'un génie qui est reconnu. Ici, le génie n'est pas reconnu, mais là, tourné vers sacré masculin, le génie est reconnu ici. Hein? Et puis, on voit que ce sont des lauriers qui brûlent ici. Il y a une notion de réussite, de sagesse avec notre grand singe aussi. Par l'expérience, par justement tous les combats qui ont été menés, par le courage, la persévérance qu'il a eu. C'est intéressant parce que pour le sacré féminin, on avait Fortuna Minor, où il était question de chance d'opportunité, et on a Fortuna Major pour le sacré masculin, c'est-à-dire qu'on parle de grande fortune ici. Il est question de belles réalisations, on nous parle du mois de... ici, c'est le mois de janvier. Donc, on peut être sur une période de 1 an. Il y a vraiment quelque chose aussi qui a dû se déclencher au mois de janvier. C'est-à-dire que là, très récemment, notre sacré masculin, il a dû découvrir en descendant en lui, avoir des informations sur lui-même, avoir des prises de conscience, des déclics. Hein. On a vu qu'il y avait le soleil, il y avait plus de clarté aussi sur les événements, sur les situations, sur les personnes. Et je parle vite, il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. Les informations me viennent de manière, enfin, me viennent assez rapidement et j'ai peur de tout oublier. Et du coup, je dis plus rien. Voilà, il a pour moi reconnecté avec un savoir antérieur. Parce que aussi, cette carte-là, elle me parle de vie antérieure, d'une sagesse antérieure. Hein, pourquoi? Parce que avec son bâton, là. Il écrit au sol des symboles sacrés. Et pour moi, sacré masculin reconnecte avec une sagesse antérieure qui date hein, d'autres vies, justement, d'autres vies antérieures. Voilà, que ce soit ici ou d'autres vies stellaires aussi. En tout cas, il reconnecte avec ça. Il en prend conscience. Il va l'utiliser. Et il y a une reconnaissance de ce qu'est le sacré féminin ici, je t'en parlais avec ce petit sujet, mais aussi avec Fortuna Major. Donc on a une très 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 belle guidance. C'est important de le dire. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le chemin à suivre, sur le chemin à prendre, avec justement notre 9 de trèfle ici. Il y a eu cette notion aussi de savoir utiliser, mettre à profit certaines connaissances, certaines expériences avec le sujet de gauche ici. Hein. On voit que d'ailleurs j'en ai pas parlé, j'ai oublié pour le sacré féminin, mais c'est très intéressant parce que comme on retrouve cette carte au même endroit pour les deux, eh bien ça parle pour les deux aussi. Il y a eu je disais que justement le sacré féminin devait faire attention à des personnes qui pouvaient la vampiriser, prendre son énergie. Et oui, parce qu'il y a eu un entourage qui était jaloux en fait aussi. Hein, qui était toxique et qui pouvait vraiment poser problème dans les relations affectives.
Mais on le voit avec ce petit sujet-là, hein, qui est tourné vers le sacré masculin, il est aussi tourné vers le sacré féminin. Cela dit, ça n'a absolument pas atteint le duo, hein, sacré féminin, sacré masculin. Ça n'a atteint ni le sacré féminin, ni le sacré masculin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, là, on parle d'une relation qui ne peut pas être abîmée, tellement elle est forte. Et qui amène justement à la tranquillité, à la sérénité, au bonheur. Voilà, ça c'est important. Et je voulais y venir pour le sacré féminin, puis j'ai oublié. Donc ici, on disait très clairement que tout peut réussir au sacré masculin à partir du moment où il a le courage d'affronter les épreuves et les obstacles. Et on voit que le sacré masculin l'a fait, qu'il continue de le faire. Et voilà, ça amène donc tout ça à une très belle réussite. Voilà, je ne pense pas dire d'autre chose parce qu'en fait j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. tu as dû entendre ma petite qui m'appelle. J'ai reçu beaucoup d'informations en très peu de temps en fait. Et en fait, ces trois cartes-là, et surtout les deux-là, veulent dire la même chose. C'est-à-dire qu'il est question de faire face aux épreuves, de faire face aux obstacles, de faire preuve face aux personnes qui sont toxiques, jalouses, d'avoir le succès dans tous les domaines. Ça, c'est la synthèse de cette carte. Et on retrouve vraiment, c'est concrétisé ici. La conclusion le dit. Donc, c'est vrai que là, je vais pas m'attarder. Parce qu'en fait, c'est très clair et c'est rapide. Il y a une notion de puissance, de victoire avec Fortuna Major ici. C'est aussi vraiment une carte qui fait partie des événements imprévus. Le Grand Singe aussi, on en a beaucoup hein, qui font partie des événements imprévus. Ce qui est assez intéressant dans le Grand Jumeau de Mademoiselle Lenormand. Parce que ça, du coup, ça nous montre vraiment que, eh ben oui, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres pas du tout, du tout, du tout. Et que ça t'amène en fait à lâcher prise, à accueillir ce qui est et à faire confiance en la vie. C'est vraiment le cas là, dans la guidance du sacré féminin d'ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une belle réussite. On parle avec la constellation de Pégase, d'indépendance, de liberté aussi. Vraiment, il y a une belle réalisation ici. Hein, il prend ses responsabilités aussi, le sacré masculin ici. En tout cas, il y a une belle réalisation. On parle de réalisation de vœux affectifs, de souhaits affectifs. Hein. Donc ça, c'est vraiment là. Ça va dans le même sens avec le sacré féminin. Tu verras si tu l'as pas vu, t'as pas encore vu la guidance. Voilà. S'il y a eu des difficultés, des déceptions, des choses comme ça c'est derrière. Voilà, c'est derrière. Il y a une belle réussite, quel que soit le domaine. Hein? Donc il y a un équilibre qui de toute façon va être de nouveau là et qui ne sera pas troublé en fait. Hein? Voilà. Et le grand singe, là, il permet vraiment d'observer les choses, de les analyser tranquillement, quelles que soient les situations, et de régler. Là, sacré masculin, justement, il a appris à régler les affaires tranquillement. Hein? Voilà, comme Minerve ici, voilà, qui reçoit les informations, elle les reçoit tranquillement, avec sérénité, elle se prépare. Et justement, le sacré masculin ici, c'est avec tranquillité, dans le calme et la modération, qu'il va trouver des solutions aux situations qui se présentent à lui, aux circonstances qui se présentent à lui. Voilà. Et d'ailleurs, ici, on lui dit que ce qui se présente à toi, sacré masculin, doit être étudié avec bon sens, hein, avec intelligence, avec logique et raisonnement ici. Et on te dit que tu as les capacités vraiment pour le faire dans tous les cas. Je vais aller voir justement le 3 de cœur un peu plus en profondeur. Et oui, et aussi surtout Fortuna Major d'abord, parce que Fortuna Major, ça nous parle d'abondance. Hein. Ça nous parle aussi, chose importante, d'amour, de succès ici. Hein. Voilà. Ça, c'est très important. On est sur une période de une année. Hein, autant Fortuna Minor, c'était un mois, je ne l'ai pas dit aussi. Mais Fortuna Major, on est sur une année. Fortuna Minor, on le retrouve, c'est drôle ça, tiens. Dans la guidance du sacré féminin, tu retrouves Fortuna Minor, qui est l'opposé de la figure
La figure est complètement inversée par rapport à celle-ci, donc qui est l'opposé de Fortuna Major. Tu vois, en fait, c'est vraiment yin-yang, en fait, sont opposés, et du coup, tellement opposés, tellement différents qu'ils se complètent parfaitement, et c'est pour ça que je te disais, ils s'emboîtent. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de fusion. Et cette notion de fusion, c'est quoi? Bah, c'est vraiment le chemin de vie, en fait. C'est d'avoir petit à petit, et l'un et l'autre, eh bien, sur le chemin, avec les difficultés, les obstacles, avoir su dépasser ces obstacles, ces difficultés, avec, voilà, en venant en soi, à l'intérieur de soi, en transformant, en transmutant ce qui avait besoin d'être transformé, notamment peut-être les blessures de l'âme aussi, les blessures de la naissance, les blessures aussi de l'enfance. Et ça, petit à petit, avec beaucoup de patience et de persévérance. Pour moi, ça me parle beaucoup vraiment du chemin parcouru et qui a fait que, en fait, ils ont réussi peut-être à se comprendre l'un l'autre, le féminin et le masculin. Hein? Alors, je ne vais pas dire composer, parce que pour moi, ce n'est pas le terme composer, mais voilà, à s'épouser, à se comprendre, à fonctionner ensemble, mais petit à petit sur le chemin au fur et à mesure. Voilà. Cette belle complémentarité, mais avec beaucoup de difficultés. Donc ça, tu peux vraiment, ça parle beaucoup, je le disais, il était question de relation d'âme à âme dans la guidance du sacré féminin, et là, c'est vraiment le cas, et je te parle de cette fusion-là, c'est comme ça que les guidances me parlent là maintenant. Et puis, moi, de mon expérience personnelle, c'est vraiment de ça qu'il s'agit aussi, donc c'est pour ça que ça me parle aussi peut-être beaucoup. Donc là, il est vraiment question voilà, de renouveau, d'indépendance, de liberté, d'utiliser ses talents. Et le 3 de cœur, ce que j'aime, c'est qu'on t'ait dit que l'âme sœur n'est pas loin. Voilà, bon, moi, je te parlais de lien d'âme. Eh bien, il est vraiment de question d'une rencontre qui est particulière, si on parle de rencontre, et qui va faire vibrer la personne. Bon, moi, tu vois. Effectivement, pour moi, c'est une rencontre que ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment, mais là, je vois qu'il y a quand même un chemin. Et pour moi, la rencontre a déjà eu lieu. Ça peut être il y a plusieurs années en arrière, bien évidemment. Mais pour moi, le chemin a déjà eu lieu. Et là, il est temps de se préparer. Le trois de cœur te dit de te préparer parce qu'il y a de beaux moments qui arrivent. Voilà, c'est différent de tout ce qui a pu être vécu avant. Hein. Et là, il y a quelque chose de solide et durable qui peut enfin arriver, se passer. Donc, on est vraiment, pour moi, ouais, il y a une notion d'être ensemble, une notion de fusion, quelque chose où ça y est, là, on peut cheminer ensemble côte à côte et aller vers quelque chose d'autre avec une nouvelle énergie. Voilà. Et avancer comme ça. En tout cas, il y a eu cette notion de toute façon de travail acharné, de quelque chose de longtemps, qui a longtemps été cherché, qui a été voulu, mais il y a eu beaucoup de doutes aussi. Et là, on te dit que c'est le moment des récompenses, c'est le moment de la reconnaissance, c'est le moment de savourer ta réussite, tes succès, de savourer l'instant aussi. C'est mérité, c'est vraiment le fruit de tes efforts, de ta persévérance, de ton acharnement. Et là, voilà, c'est sans ambiguïté. La réussite, elle est là. Et remercie pour ça, d'ailleurs. Et profite de ces moments qui arrivent dans tous les cas. Et F comme force qui sacré masculin qui est vraiment à l'image de l'énergie, de la vitalité avec laquelle tu as fait face à toutes les difficultés et on te dit qu'elles t'ont rendu indestructible. Voilà. Ce qui veut dire aussi prendre soin de soi. Voilà. Parce qu'il faut souffler, il faut récupérer de ces moments-là où tu as tout donné, de cet acharnement aussi.
Et c'est comme le, c'est marrant, parce que c'est comme le sacré féminin, c'est-à-dire que la lettre F, elle te dit aussi de faire attention à des personnes qui pourraient utiliser ton énergie vitale aussi, également pareil, et abuser en fait de tes capacités déjà intellectuelles, psychiques ici, et physiques également. Donc on te dit d'être sélectif, on a exactement la même chose que pour le sacré féminin. Et là aussi, eh bien... Voilà, on te dit d'utiliser, le moment est favorable avec le sureau, le papyrus et le laurier. On te dit que là c'est un moment de chance, le moment est favorable si tu as des projets, si tu as envie de mettre des choses en place, si tu as envie de faire entendre ta voix, on te dit de t'affirmer haut et fort et d'y aller sans hésitation. Et sans détour aussi, hein, vas-y entièrement. Eh ben, j'ai envie de prendre. Bon, allez, on va prendre un autre jeu pour sacré masculin. Ça va être La réponse est simple de Sonia Choquette. Une seule carte pour toi. Tu peux te poser une question. Alors, attends, parce que là, j'ai un paquet entier qui est tombé. Et je vais aller voir mon petit qui doit avoir très faim. Et eh ben voilà. Là, c'est recommencer. Et j'en ai. Une autre aussi qui te dit ne le prenez pas mal. Je terminerai avec ça. Ça, c'est en fonction de ce que tu penses en ce moment. On te dit de recommencer, ne le prenez pas mal. Voilà, le message sera pour certains ou certaines d'entre vous. Merci à toi et merci pour ton écoute.